Salut à toutes et tous. Et bien voilà. Voilà, un an après, le fameux spot de street workout qui reste sur le fleuve la Garonne à Bordeaux. Donc rive droite, voilà, un an après, cette fraîche, humide et surtout brumeuse soirée. Ou plutôt ce brumeux soir de janvier 2018. Voilà, donc la dernière fois que je vous l'ai montré, il était encore en construction. Et là, non seulement il est fini, depuis un an, et en plus il a déjà bien servi. Voilà, il est déjà usé, et ça prouve que pour une fois ça a été un bon investissement de l'argent du contribuable. Encore que on ne connaît pas, j'ai pas eu le prix exact du coût de cet équipement sportif urbain. Là n'est pas le sujet. En tout cas, ça a été un investissement, un bon investissement. Voilà un investissement pour la santé des habitants de Bordeaux. Voilà. Bon investissement. Donc il a déjà bien servi. Surtout était beaucoup utilisé par les membres de Street Workout Bordeaux. Le seul bémol, c'est que premier hiver d'existence, d'usage, il n'y avait pas encore d'éclairage. Et en automne dernier, enfin a poussé et sorti de terre les lampadaires. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin d'être nyctalope ou un soir de pleine lune
pour pouvoir y voir. Eh oui, parce que là, pour s'accrocher aux barres, il vaut mieux y voir. Voilà. Donc là, le spot a pris son plein régime de service. Parfaitement équipé. Voilà, donc là on peut pratiquer tous les principaux exercices de strict workout. Donc, toutes les personnes vivant ou de passage à Bordeaux, profitez-en, hein, à tous les sportifs et sportives, et surtout sportives, parce que le strict workout manque de féminité encore. Hein. Je crois que j'insisterai jamais assez là-dessus. Alors, les sportives, ne vous en privez pas. Voilà, alors ici, il y a même de quoi s'entraîner pour faire le drapeau. Tout ce qu'il faut pour la bonne pratique du strict workout. Bon, et bien les amis sportifs, c'était Tolric. À plus.